On retrouve aujourd'hui un nouveau binôme tuteur alternant du CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers à Saint-Étienne. Alors d'après vous, quelles sont les clés de la réussite du binôme tuteur alternant au sein de l'entreprise et de la formation ? Le plus important qu'on ait souligné, c'est vraiment l'intégration dans l'entreprise. Par exemple, moi quand je suis arrivé, j'ai vraiment été très très bien accueilli, j'ai rarement vu ça. On tourne dans tous les secteurs de l'entreprise, tous les services. C'est vraiment un point moi qui m'a marqué et je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Oui, c'est effectivement un point primordial, l'intégration dans les services donc pour connaître le métier et puis ensuite faire en sorte qu'il y ait de la cohésion dans l'équipe. On retrouve maintenant deux alternants du CNAM qui nous expliquent comment bâtir une relation de confiance et progresser avec leur tuteur. Établir une relation de confiance avec le tuteur, c'est avant tout pouvoir discuter, échanger sur des sujets d'abord du travail et puis ensuite des sujets peut-être en dehors du travail et pouvoir établir justement plus qu'une relation de confiance, une relation de collègue, on va dire. Pour moi aussi, pour établir une bonne relation de confiance, il est réellement important d'avoir une très bonne entente avec les salariés de l'entreprise. Plus d'infos CNAM-auvergne-rhône-alpes.fr.